Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis le gardien du zoo. Combien d'espèces avez-vous ? Plus de 52 millions. Oula, ça fait beaucoup. Plus de la moitié sont des clones. Oula, c'est quoi ce monstre ? C'est un monstre qui vient d'un autre système solaire. Qu'est-ce qu'il mange ? On le branche sur un ordinateur pour qu'il puisse manger des microparticules. Waouh, quelle technologie ! Oh, cet animal est en feu ! C'est normal, il se nourrit de bananes électriques. Bon, faut que j'aille voir les girafes des mers. Je me promène dans une tour et je découvre chaque étage merveilleux. Le premier étage est dédié à la flore en voie de disparition. C'est très coloré et très joli. Le deuxième étage est rempli à craquer d'aquariums pleins d'espèces disparues, comme le Steminosaurus minapitus marin ou l'Omisitar d'Octimor d'eau douce et encore plein d'autres. Le troisième étage est rempli de murs végétalisés. Mais du bruit sort des murs, ce sont plein d'insectes, des grillons de Poméranie et encore beaucoup d'autres. C'est très impressionnant. Enfin, le quatrième étage est un laboratoire géant où des scientifiques travaillent sur des glaciers moyens. Et de temps, à ma grande surprise, sont emprisonnés un bébé tigre à dents de sabre et un bébé rhinocéros laineux. Leur projet ? Les faire revenir à la vie, puis les cloner. Bon, j'ai fini ma petite visite du futur 2050. Il est temps de revenir en 2022. Allez hop, sur mon téléportateur. Je me retrouve dans une forêt tropicale. Il y a beaucoup de vent, de la glace au banane. Très chaud. Tout à coup, je vois un serpent venimeux avec une corne de licorne. Je vois des hippopotames qui dansent le cha-cha. À part les serpents, il y a des singes volants. Les crocodiles jouent sur une tablette. Les arbres sont rouges plutôt que les bananes. Le lagon est orange. Les arbres ont le feuillage rose, l'eau est bleu turquoise. Il y a des jaguars noirs avec des taches jaunes. La végétation est bleue, orange, rouge et verte. Il y a un crocodile qui plonge dans une rivière avec des brassards. Plus loin, j'aperçois un hippopotame qui bronze sur une bouée. Dans la rivière, des poissons font une boum et les dauphins font du karaoké. Je vois un tyrannosaure croquer un diplodocus et d'un coup, une météorite atterrit sur le tyrannosaure et petit à petit, ils sont en train de mourir et d'un coup, un tigre à dents de sabre arrive. Les hommes préhistoriques volent en voiture volante. Le rodéo était très amusant. Je vois encore les hommes préhistoriques qui jouent cette fois à la PS18. Les chevaux préhistoriques font du skate volant, mais ils tombent comme des dominos express. Les grottes s'allument vocalement. Comment tu es arrivé là ? J'étais dans la rue et quelqu'un m'a dit d'aller dans cette tour. Moi aussi, c'est comme ça que je suis arrivé ici. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Arthur et j'ai 80 ans. Moi, je m'appelle Lina et j'ai 70 ans. Ma famille habite très très loin d'ici. La mienne aussi. C'est fou les progrès qu'ils ont fait par rapport au bon vieux temps. Tu as raison. Où dors-tu ? Dans la salle des concerts. Et moi, j'ai dormi à côté d'un chien à tête de vache.
Tu as vu la salle des insectes ? Non, mais ça a l'air très intéressant. Ça, c'est sûr. Quand tu étais petite, quel travail tu voulais faire ? Infirmière. Moi, je voulais faire ingénieur en design automobile. Ça, c'est bien, mais on n'a pas fini comme on le voulait. As-tu des petits-enfants ? Non. Moi, j'en ai deux. C'est bien d'avoir deux petits-enfants. Moi, je suis seule. Tu n'as pas faim ? Si, j'ai faim. Dans la tour, il y a une machine qui te donne ce que tu aimes grâce à ton empreinte digitale. Moi, j'aime pas la nourriture électronique. Moi, je m'en fiche, je suis un robot. Ah bon ? Mais t'es un robot SDF ? Ben oui, ça existe.